Bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Table ronde qui se fait à l'occasion du lancement du premier ouvrage qui est publié dans la collection du SOFIR aux presses de l'Université Laval. Il va en avoir plusieurs autres qui vont être publiés en 2022. Dans les thématiques toujours du SOFIR. Et cet ouvrage parle des droites provinciales en évolution au Canada de 2015 à 2020. Et donc aujourd'hui, nous avons trois des auteurs avec nous qui ont signé un ou plusieurs chapitres dans cet ouvrage, dirigé par Frédéric Boily, qui est professeur en sciences politiques à l'Université de l'Alberta. La faculté Saint-Jean, pour le dire, faculté francophone de l'Université de l'Alberta. Et notre deuxième intervenante sera Stéphanie Chouinard, qui est professeure au Collège militaire royal de Kingston, à Kingston, évidemment, en Ontario. Bon, le Collège militaire royal de Kingston, on a beaucoup de liens avec ce collège-là, le SOFIR, puisqu'on a notamment le Dr Ali Disboni, qui est co-chercheur au SOFIR aussi. Et un de nos partenaires aussi, c'est le Collège militaire royal de Saint-Jean. Donc, on est une petite famille à ce niveau-là avec le SOFIR. Et le troisième intervenant, Julien Landry, qui a fini son doctorat récemment sur les think tanks canadiens, qui va nous parler plus précisément du centre Manning en Alberta, qui est comme qui est comme le think tank d'où sortent toutes les grandes idées de droite au Canada, qui vont souvent aboutir au Parti conservateur. Julien, qui est maintenant fonctionnaire au fédéral, si je ne m'abuse, Julien. Je suis post-doctorant et oui, en effet, maintenant j'ai pris une pause pour devenir chercheur au fédéral. C'est ça, exactement. Fonctionnaire. Voilà. Mais c'est correct, fonctionnaire, moi aussi je suis fonctionnaire. Hein. et donc, nous allons faire trois tours de parole. Donc, chacun va parler. Je pense que dans le cas de Frédéric Boily, ses chapitres portaient plus donc, sur l'Alberta et le Québec. Donc, peut-être qu'on va avoir une comparaison à ce moment-là, Alberta-Québec. Et dans le cas de Stéphanie, ces chapitres portaient plus sur l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Donc, dans les deux cas, je pense qu'on va parler peut-être un petit peu de populisme, peut-être aussi dans le cas du Nouveau-Brunswick, d'anti-bilinguisme. Et donc, chaque intervenant va avoir 20 minutes pour exposer les chapitres qu'il a fait dans le livre. Et ensuite, ce sera suivi d'une période de questions d'environ 30 minutes avec le public et d'échanges entre les panélistes. Alors, je cède la parole. Ah oui, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Martin Geoffroy. Vous voyez, je suis tellement excité d'avoir des invités de marque, je m'oublie complètement. Alors, Martin Geoffroy, directeur du SOFIR, professeur au Cégep Édouard Monty en sociologie et directeur du SOFIR aussi. Alors, on va commencer par la présentation de Frédéric Boily. Il faut souligner que c'est un ouvrage qui était dirigé par Frédéric Boily. Donc, c'est un projet de Frédéric Boily qui émane en fait d'un colloque qui a eu lieu pré-pandémie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 2-3 mois avant le début de la pandémie, fin 2019, on s'était tous rencontrés en présentiel pour un colloque et ça donnait lieu donc à cet ouvrage-là dirigé par Frédéric Boily. Donc, Frédéric, si tu veux bien, on te cède la parole. Très bien, merci Martin. Et moi, je n'oublierai pas de te remercier d'avoir organisé cette table ronde parce que c'est une très bonne idée. Ça permet justement de se rencontrer à nouveau pour discuter de l'ouvrage. Ma présentation aujourd'hui, je ne présenterai pas tous les chapitres auquel j'ai participé, notamment celui sur Jason Kenney, le populisme, mais je suis ouvert aux questions. Je vais surtout me concentrer sur le chapitre comparatif, le premier chapitre que j'ai publié, donc une comparaison Québec-Alberta-Ontario, et le dernier aussi qui, lui, a été écrit, non pas dans le cadre du colloque, mais justement dans le cadre de la pandémie. Il me semblait approprié d'ajouter un chapitre pour conclure le collectif
pour évaluer un peu, justement, comment les premiers ministres de l'Alberta, du Québec et de l'Ontario étaient parvenus à gérer le début de la pandémie. Je dis bien le début de la pandémie parce que la question de la publication a fait en sorte que je ne pouvais pas non plus regarder l'ensemble de la pandémie. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je vais vous présenter là, principalement ces deux chapitres. Avant ça, quand même une mise en contexte. Comme vient de le dire Martin, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'idée du collectif, l'idée de réunir des chercheurs pour parler de la droite découlait d'une observation qui était souvent faite comme quoi il y avait une vague bleue qui est en train de déferler sur les provinces, c'est-à-dire des élections en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, qui ramenaient des gouvernements conservateurs sur la scène provinciale. Et donc, la question qui se posait, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une vague bleue? Et c'est d'une certaine façon la question de départ qui m'a amené à réunir l'ensemble des collègues qui ont bien voulu répondre à cette invitation pour essayer justement de se poser la question, à quel point on peut parler d'une vague bleue? À quel point il y a vraiment des similarités entre ces partis politiques de droite qui sont arrivés dans un court laps de temps à la tête de leur province. Donc, deux observations de départ, je vous dirais. D'abord que les droites, et ça, ça découle de l'ensemble du collectif, les droites ne sont pas statiques, c'est-à-dire qu'elles évoluent à travers le temps et qu'elles ne sont pas nécessairement, par conséquent, les mêmes d'une période à l'autre et qu'il y a des discontinuités. En ce sens-là, et c'est la deuxième observation, les droites provinciales non plus ne sont pas identiques. C'est-à-dire que oui, on peut parler peut-être d'une vague bleue, mais cette vague bleue présente des nuances de bleu. Et c'est ce qui m'amène précisément à mon propre texte, celui de la comparaison entre le Québec, l'Alberta et l'Ontario, que j'ai appelé, bon, plusieurs utilisent cette métaphore depuis le fameux livre et le fameux film, les 50 nuances de bleu dans ce cas-ci, pour essayer précisément de montrer donc, quelles sont les similarités et les différences. Donc, une approche comparative précisément pour ce texte, mais je vous dirais que l'ensemble du collectif également est basé sur une approche comparative, disons, entre les textes eux-mêmes, c'est-à-dire que le lecteur qui se penche sur le collectif, dispose d'une série de textes qui lui permettent de faire sa propre comparaison. Moi, je suis allé, disons, un peu plus loin dans la comparaison, c'est-à-dire que j'ai essayé de l'appliquer à l'intérieur de mes deux textes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un objectif de comparaison qui court à travers chacun des chapitres également, puisque certains vont, par exemple, dans le cas de Stéphanie, tout à l'heure, on va certainement parler, c'est-à-dire comparer d'Oxford avec ce qu'il y avait auparavant dans la droite ontarienne et avec Mike Harris. Donc, il y a toujours cet objectif-là de comparaison. Et ça explique aussi pourquoi également il y a une limite temporelle également pour le collectif. Le fait est que lorsqu'on fait de la comparaison, c'est souvent difficile de faire des comparaisons qui se tiennent, surtout si on élargit l'horizon temporel. En ce qui concerne maintenant mon texte plus précisément, une démarche en deux temps. Une démarche en deux temps parce que d'abord, il faut revenir sur le contexte qui voit l'arrivée de François Legault au pouvoir, qui voit l'arrivée de Doug Ford et des conservateurs aussi au pouvoir, et la même chose pour Jason Kenney en Alberta. Et l'autre temps de ma démarche, c'est l'analyse des orientations politiques et idéologiques de chacun d'entre eux. Pourquoi le contexte? Parce que le contexte est important pour comprendre s'il y a eu une vague bleue ou non. Parce qu'on pourrait très bien faire l'hypothèse que l'arrivée presque simultanée de tous ces gouvernements conservateurs à la tête des provinces les plus importantes au Canada avec la Colombie-Britannique pourrait tout simplement être l'effet du hasard. C'est-à-dire un effet du hasard, c'est-à-dire un rejet des partis qui sont en place et qui
et le mieux en position dans chacune des provinces pour prendre le pouvoir, ben, il se trouve que c'est des partis de droite, mais ça aurait pu être des partis d'une autre orientation idéologique qui auraient pris le pouvoir, tout simplement parce que, du côté de l'électorat, il y a une fatigue qui s'est installée et que tout simplement, on veut remplacer le parti qui est au pouvoir. Donc ça, c'est une hypothèse qui est possible. Donc d'où l'idée de revenir au contexte pour se demander, est-ce qu'il n'y a pas des similarités qui font en sorte qu'on peut, jusqu'à un certain point, voir cette arrivée-là au-delà de certains hasards contextuels. Ce qu'on peut noter, ce que je note, c'est d'abord, oui, c'est vrai qu'il y a un rejet des partis en place qui peut expliquer le fait que, à la fois François Legault, Doug Ford en Ontario et Jason Kenney parviennent au pouvoir. Du côté de l'Ontario et du côté du Québec, sur le rejet des libéraux qui sont là depuis longtemps au pouvoir et qui sont en bonne position depuis longtemps au pouvoir, mais où on voit aussi qu'il y a une fatigue qui s'est installée, une sorte de rejet de l'électorat, de l'approche ou de la marque de commerce libérale, tant du côté québécois avec Philippe Couillard, qui n'est pas parvenu à implanter de manière efficace ou durable sa manière de gouverner autrement, qui est un peu son motto lorsqu'il arrive au pouvoir. Du côté de l'Ontario, on retrouve également cette même fatigue à l'égard des libéraux qui sont là depuis un bon moment également. Alors que du côté albertain, il y a ce rejet-là, mais un rejet, disons, plus momentané, c'est-à-dire que l'arrivée des néo-démocrates de Rachel Notley est une arrivée qui était inattendue en 2015, inattendue et qui rompait aussi avec la tradition conservatrice albertaine. Par conséquent, le rejet est là, mais ce n'est pas le même type de rejet. Donc, ce n'est pas un rejet avec un vieux parti établi depuis longtemps, comme c'est le cas avec les libéraux au Québec ou en Ontario, deux formations qui appartiennent à l'histoire politique de chacune des provinces, ce qui n'est pas le cas des néo-démocrates en Alberta, qui avaient eu des succès plutôt mitigés dans le passé, et dont l'arrivée était, comme je l'ai mentionné, plutôt imprévue. Un autre élément aussi qui est important, c'est que dans le système partisan, si on compare les trois systèmes partisans, il y a quand même une rupture beaucoup plus importante du côté du Québec. L'alternance politique qui prévalait depuis 1970 entre le Parti libéral et le Parti québécois s'effondre et ça fait en sorte qu'on a une nouvelle formation politique qui arrive au pouvoir. D'ailleurs, dans son discours de victoire, François Legault disait « Aujourd'hui, on a marqué l'histoire », je le cite, je me souviens bien textuellement. Il n'avait pas tout à fait tort de dire ça, parce qu'effectivement, il y avait un effet de nouveauté différent qu'on ne retrouve pas en Ontario. Que des conservateurs arrivent au pouvoir en Ontario, ce n'est pas vraiment une nouveauté, plutôt une sorte de forme d'alternance. Les conservateurs ont déjà été là dans le passé. Du côté de l'Alberta, il y a un effet de nouveauté aussi, même s'il y a une tradition conservatrice importante, parce qu'il y a quand même eu ce processus de fusion entre les progressistes conservateurs d'un côté et le Wild Rose Alliance qui a mené aux conservateurs unis. Donc, il y a quelque chose de nouveau, puis en même temps, il y a quelque chose de très ancien également. Mais il n'y a pas nécessairement cette rupture-là aussi importante. C'est plutôt en 2015, en fait, dans le cas albertain, qu'il y a cette rupture. Donc, d'une certaine façon, si je veux résumer le contexte, on peut parler, dans le cas de l'Alberta et de l'Ontario, d'une certaine continuité, évidemment, d'une tradition conservatrice qui est là depuis longtemps. Il y a une dimension de rejet également, et c'est le deuxième point qui est présent avec le rejet des libéraux en Ontario et au Québec, du NPD en Alberta, mais le rejet, vous voyez, pas nécessairement de la même nature. Un autre élément qu'on doit aussi noter contextuellement, mais qui relève aussi de la sociologie politique, c'est-à-dire qu'on a une même sociologie conservatrice. Trois chefs,
qui sont des hommes blancs d'âge plutôt mature, qui correspondent très bien à une vieille sociologie, disons, politique, qui n'est pas exclusive d'ailleurs aux conservateurs, mais je veux dire, on est dans ce mode-là. Également, les trois partis font face à des difficultés avec les grandes villes. Du côté de François Legault, c'est avec Montréal, un ancrage électoral beaucoup moins important. Du côté de Doug Ford, c'est avec Toronto. Du côté de Jason Kenney, c'est avec Edmonton. Moins Calgary, donc il y a des villes qui échappent à ça, mais il y a quand même ce qu'on peut appeler les villes les plus importantes dans chacune des provinces résistent, disons, à cette poussée conservatrice qui se fait davantage du côté des régions ou des grandes villes. Et une dimension anti-système, donc, du côté québécois, parce que il y a cette rupture-là dans le système partisan qui fait en sorte qu'il y a quelque chose qui, de nouveau, qui se met en place. Ce qui m'amène maintenant à la comparaison idéologique et la comparaison des programmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Parce que toute bonne comparaison, d'une certaine façon, doit mettre en lumière ce qui est semblable, mais aussi ce qui est différent. Et c'est par la suite de cette pondération-là du semblable et du différent qu'on peut avoir un regard qui est plus juste sur, disons, la réalité politique de cette vague bleue. Du côté albertain et du côté ontarien, il y a cette même volonté de retrouver ce qu'on appelle l'avantage albertain et l'avantage ontarien sur le plan de la fiscalité, sur le plan économique. La traduction est un peu boiteuse, non, mais l'Alberta Advantage, il faut l'entendre de cette façon-là, qui est répété constamment par Jason Kenney et son équipe, et qui est également répété et qui fait partie du lexique politique également des conservateurs de Doug Ford. Ce qu'il faut entendre ici par retrouver cet avantage-là, c'est l'idée de créer un environnement économique qui soit favorable au développement des affaires, favorable au développement des entrepreneurs. Et donc, faire en sorte qu'il y ait moins de barrières pour créer de nouvelles entreprises ou pour faire des affaires. Ça, c'est très, très fort du côté des conservateurs albertains. Et on retrouve également cette idée du côté des conservateurs ontariens. Du côté du Québec, c'est pas qu'on est dans une logique qui serait complètement différente, parce que du point de vue également de François Legault, la question économique est importante, prioritaire. Vous avez peut-être entendu son entrevue il y a deux jours avec Céline Galipeau au téléjournal. Il est revenu sur cette idée qu'il est entré en politique là, pour faire en sorte que l'écart de richesse entre l'Ontario et le Québec diminue. Il l'a encore donc répété, il répétait, il le disait abondamment avant même la victoire de 2018 et il a continué de répéter ça. La question donc économique est importante, prioritaire pour les caquistes et pour François Legault, mais peut-être plus dans un volet qu'on pourrait dire entrepreneurial et qui correspond aussi à la propre carrière politique de François Legault, carrière politique, mais aussi sa carrière évidemment économique. Donc, la remise sur pied de l'économie est fondamentale, donc un environnement fiscal et une taxation qui est favorable au développement des entreprises. Par conséquent, la lutte au déficit, la lutte à la dette devient des points centraux pour Jason Kenney, tout particulièrement, mais également pour les conservateurs de Doug Ford. Sur le plan économique, c'est la préoccupation québécoise, comme je l'ai mentionné, de rattraper l'Ontario qui est vraiment l'élément central. Mais là, la différence qui se pose, ou la différence qu'on doit noter, c'est le fait que dans cette entreprise de
rattrapage économique face à l'Ontario du côté québécois, du côté de la CAQ, il n'y a pas cette même réticence à se servir des instruments de l'État. Et donc, à se servir de l'État comme étant davantage un moteur du développement économique, développement social, alors que du côté, si on voulait vraiment mettre sur le spectre l'envers de la médaille, ce serait avec Jason Kenney, pour qui l'État est davantage un problème, le gouvernement est davantage un problème, donc il faut lui faire subir une cure de maigrissement et une cure de maigrissement très prononcée. On le voit notamment présentement, on subit encore les effets, notamment dans l'éducation postsecondaire qui est touchée très durement, l'ensemble du système postsecondaire albertain. Et donc, lorsqu'on présente les budgets, c'est vraiment un élément central de toute la stratégie économique gouvernement de Jason Kenney. On trouve ça également du côté de Doug Ford, mais je dirais d'une forme peut-être atténuée par rapport à Jason Kenney, mais quand même plus importante que ce qu'on trouve du côté québécois. Ce qui m'amène finalement à la dimension peut-être la plus distinctive lorsqu'on fait la comparaison entre ces trois formations politiques et entre ces trois provinces, c'est la question de l'identité. J'ai mentionné tout à l'heure que du côté de la CAQ et de François Legault, il y a cette volonté de se servir de l'État pour que l'État entraîne le développement économique, entraîne le développement de l'entrepreneuriat, et on retrouve cette même dynamique en ce qui concerne la protection de l'identité québécoise. L'État est vu comme étant, du point de vue de la CAQ et de son, et on pourrait remonter à son virage nationaliste en 2015 et 2016, lorsque on prend cette tangente d'être plus nationaliste et donc de laisser tomber peut-être le message justement là, qui aurait ressemblé davantage à ce qu'on retrouve en Ontario ou en Alberta et qui venait de la droite de l'ADQ, qui, elle, était moins intéressée à parler de questions identitaires, en tout cas ce courant-là, et donc de revenir à cette défense de l'identité nationale québécoise en se servant de l'État, avec la loi sur la laïcité, et si on veut vraiment voir la différence, et je vais terminer avec ça, si on veut vraiment voir la différence, entre les trois formations, précisément sur cette question de la défense de l'identité, on la voit s'exprimer à travers la question de l'immigration. C'est-à-dire cette question-là de l'immigration qui, du côté de la CAQ, est vue à travers des lorgnettes de protection, des lunettes de protection de l'identité québécoise. Donc, il faut en laisser entrer moins, en prendre soin, comme pour reprendre ce que disait François Legault lui-même, mais en fonction d'une certaine grille de lecture davantage identitaire, alors que du côté albertain, du côté de Doug Ford aussi, le prisme à travers lequel l'immigration est vu davantage à travers un prisme économique. Donc, l'immigration n'est pas jugée de la même façon, selon la même grille de lecture. Donc, au-delà de savoir s'il faut en accueillir plus ou moins, c'est qu'on ne juge pas nécessairement l'immigration avec le même étalon de mesure. Et ça revient encore, évidemment, et c'est revenu hanter d'une certaine façon la CAQ par la suite, parce qu'on le voit bien, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec, et donc comment faire pour combler cette pénurie de main-d'œuvre? Eh bien, l'immigration semble s'imposer comme une solution, ce qui correspond aussi à l'idée de François Legault de faire en sorte de rattraper l'Ontario sur le plan de la richesse, mais en même temps vient se heurter à la préoccupation aussi de protection de l'identité québécoise. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut parler d'une vague bleue entre les trois formations politiques? Oui, mais avec des différences très importantes et donc avec des nuances de bleu et des tons de bleu qui ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre. Je termine avec ça. Merci Frédéric. Pour cet éclairage
intriguant, je dirais. maintenant, on va passer la parole à Stéphanie Chouinard, professeure agrégée au Collège militaire royal de Kingston, et qui va nous parler va nous faire finalement peut-être une. Ben, je ne veux pas dire ce que tu vas dire finalement, qui va nous faire une comparaison probablement cette fois-ci entre l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, parce que ces deux chapitres, en fait. Elle va peut-être nous parler un petit peu plus du populisme aussi, parce qu'il y avait un aspect dans ces chapitres où elle abordait la question du populisme. Alors, Stéphanie? Oui, bonjour. Première des choses, merci beaucoup à Martin pour l'invitation ce midi. Et merci à Frédéric pour l'invitation à participer à l'ouvrage. Quand Frédéric m'avait contacté pour participer à l'ouvrage, originalement, il voulait que je me penche plus particulièrement sur la figure de Doug Ford et la montée d'une certaine forme de populisme, possiblement en Ontario. Et à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur un chapitre sur le People's Alliance of New Brunswick, un parti de droite, un tiers parti sur la scène politique provinciale néo-brunswickoise. Donc, j'ai offert à Frédéric un 2-1 et il a accepté. Donc, un chapitre que j'ai écrit sur Doug Ford et la figure du populisme au sein du Parti progressiste conservateur. Et l'autre chapitre sur le People's Alliance que j'ai coécrit avec une collègue de l'Université McGill, Kelly Gordon. Donc, deux partis politiques, les progressistes conservateurs, le People's Alliance, que j'ai abordé à partir de la même lentille d'analyse. C'est-à-dire qu'on cherchait, Kelly et moi, à comprendre si ces partis-là pouvaient être qualifiés de populistes, et de deux, à quel genre de populisme on avait affaire dans les deux cas. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, plus précisément, on cherchait aussi à comprendre derrière ce qui se cachait derrière le discours anti-bilinguisme, anti-dualité linguistique du People's Alliance du Nouveau-Brunswick, une tendance qui a émergé sur la scène politique néo-brunswickoise à partir des années 80, mais qui s'était retirée durant les années 90 et 2000 pour faire un retour en force dans les dernières années, surtout depuis 2018. Et ça, c'est un aspect qui est moins présent dans l'analyse en Ontario. Donc, on a procédé par analyse de discours du parti et surtout des deux chefs, la figure du chef étant particulièrement importante dans les mouvements populistes. Donc, on a analysé à la fois la littérature du parti, comme par exemple, les pamphlets, les plateformes électorales aussi, et dans un second temps, les discours des chefs, les entrevues aussi que ces deux chefs-là ont données dans de nombreux médias. Et là, on a ratissé très large, tant les médias de masse réguliers comme les Radio-Canada, CBC, CTV, que dans les médias un peu plus de franges comme Rebel News, par exemple. Donc, première des choses, il fallait qu'on se donne une définition de ce que c'est le populisme parce que c'est une terminologie dans la science politique qui ne fait pas consensus. Et donc, on a fait une revue de littérature pour se donner une définition qu'on pourrait opérationnaliser pour notre analyse de ce que c'est le populisme, pour pouvoir avoir un barème à partir duquel, ensuite, on allait faire l'analyse de discours. Donc, il y a un débat sur cette question-là, à savoir qu'est-ce que c'est le populisme. C'est à la fois une idéologie politique, mais pas nécessairement qu'une idéologie politique. C'est surtout pas une idéologie qui est aussi fixe que, par exemple, le libéralisme ou le conservatisme. Mais il semble y avoir certaines grandes tendances, certaines constantes un peu partout dans le monde. Première des choses, le populisme va souvent émerger à des moments de crise, surtout économiques. On va tenter de mobiliser, de canaliser les sentiments d'incertitude auprès de la population à un moment où la situation économique ne se porte pas très bien. Soit une récession, les transformations du milieu du travail au regard de l'économie post-industrielle, par exemple la fermeture de grandes manufactures, la compétition due au libre-échange, par exemple. Ça, on a vu ça au Canada durant les années 80. On peut penser à l'extérieur du Canada, par exemple, au moment qu'a été le Brexit en Grande-Bretagne, où on avait des types de discours qui provenaient du camp du oui pour le référendum pour le Brexit, comme quoi les Européens des pays plus pauvres venaient en Grande-Bretagne, voler les jobs aux États-Unis, évidemment, la figure étant plutôt le Mexicain plutôt que l'Européen. Mais plus près de nous, on a ce type de discours-là aussi, notamment, un sentiment d'incertitude économique. On peut penser à l'Alberta au regard des flux dans l'économie pétrolière.
Cette anxiété économique-là, ça peut être une force vive extrêmement importante pour le populisme. Ça, c'était le premier élément qu'on allait regarder. Est-ce qu'on tente de s'arnacher à un sentiment d'anxiété auprès de la population? Le deuxième élément qu'on allait regarder, c'est est-ce que ces partis-là allaient mobiliser une rhétorique du « nous contre eux ». Cette fameuse dichotomie-là qu'on retrouve souvent chez les mouvements populistes. Et quand on compare les mouvements populistes, on se rend compte que qui est le « nous » et qui est le « eux », ça peut être différentes choses. C'est ce qu'on appelle des signifiants vides. C'est-à-dire, on va utiliser ces deux qualificatifs-là, mais on peut mettre différentes affaires dans les deux boîtes du « nous » et du « eux ». Parfois, le « nous », ça va être les gens normaux, et le « eux », ça peut être l'élite qui ne comprend rien de la vie des gens normaux, de la classe moyenne. On peut penser à l'élite qui profite du système. En Ontario, on a entendu la famille Ford utiliser souvent la terminologie du « stop the gravy train », l'élite du centre-ville qui allait s'accaparer toutes les ressources la banlieue, par exemple. Aux États-Unis, on a souvent entendu le « drain the swamp », des types de rhétoriques comme ça. Le « nous », c'est la nationalité, et le « eux », c'est une nationalité autre, une nationalité notamment ethnique. Donc, un autre socio-culturel, on peut penser aux immigrants, minorités visibles. Et là, on tombe dans des rhétoriques plus nationalistes, voire parfois fascisantes. Cet autre-là, ça peut aussi être un autre religieux, voire même linguistique. Et là, ça, c'est là où on retrouve peut-être certains aspects de ce type de rhétorique-là au Canada. Le troisième élément qui nous intéressait, c'était l'appel à la proximité avec le leader. On parle souvent d'un chef qui, évidemment, fait partie du « nous » et surtout pas du « eux », donc quelqu'un qui émane de la classe moyenne, quelqu'un qui fait partie des gens normaux, qui ne fait pas partie de l'élite traditionnelle politique, quelqu'un qui va tenter de cultiver une relation plus directe avec les élus, avec les électeurs. C'est pour ça que dans les mouvements populistes, on va souvent avoir un fort discours qui va rappeler le grassroots. On va parler du fait qu'on ne croit pas à la discipline de parti parce que les gens qu'on élit doivent être en mesure de bien représenter le peuple. On va aussi vouloir s'inspirer du contexte local. Et dans ce sens-là, on voit souvent le populisme se placer comme la critique d'idées ou de normes qui existent dans le contexte où ils évoluent. La couleur de ce type de discours-là va évidemment dépendre du contexte local. Donc ça, c'est nos trois éléments. Le sentiment de crise, le « nous » contre « eux », contre le « eux » et la proximité de la population avec le chef. Donc maintenant, on va passer à l'analyse. Comment est-ce que ces trois éléments-là se manifestaient ou pas dans les discours de Doug Ford en Ontario et de Chris Austin, le chef du People's Alliance au Nouveau-Brunswick? Bon, première des choses pour Doug Ford, ce qu'il faut savoir, c'est que Doug Ford, au contraire de ce qu'il tente de projeter parfois, il vient d'une famille aisée et politisée. Doug Ford, son papa, Doug Ford le père, senior, était député provincial sous le gouvernement de Mike Harris, à Queen's Park en 1995 et 1999. Donc, Mike Harris, qui est aussi vu comme étant une figure marquante dans l'histoire du conservatisme en Ontario, comme Frédéric l'a mentionné tout à l'heure, et qui a aussi fait, dans un certain sens, de la politique populiste. On va se rappeler de sa fameuse « révolution du gros bon sens », qui était son slogan de campagne en 1995 notamment. Doug Ford a commencé comme conseiller municipal à la ville de Toronto au même moment où son frère, très bien connu aujourd'hui, Rob Ford, qui est maintenant décédé, était maire de la ville de Toronto. Un passage à la mairie qui a été, assez controversé. Il a perdu les élections à la mairie contre John Tory, le maire actuel de Toronto, suite au décès de son frère d'un cancer. Et lorsque Patrick Brown, le chef des progressistes conservateurs en Ontario, s'est fait éjecter son poste suite à des allégations d'inconduite sexuelle, il remporte un peu par surprise la course au leadership au printemps 2018. Et en juin 2018, remporte les élections de façon décisive au provincial avec 76 sièges sur 124.
Doug Ford, c'est très, très clair qu'il a mobilisé un sentiment de crise durant sa campagne au leadership et sa campagne électorale de juin 2018. Donc, on parle évidemment d'une crise économique en Ontario. L'ampleur de la dette publique était centrale au discours de Doug Ford. Donc, on entendait très souvent M. Ford parler de l'ancienne première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, en parlant d'un gouvernement qui dépensait sans compter, qui ne portait pas attention à la façon dont on dépensait les dollars durement gagnés par la population et que c'était surtout des dépenses faites au bénéfice des insiders du Parti libéral et de l'élite politique du centre-ville. Donc, aucun respect pour les payeurs de taxes, en gros. C'était dans la plateforme électorale qui s'intitulait « For the People, a plan for Ontario ». Donc, le sentiment de crise, il est harnaché et il est mobilisé par Doug Ford à son entrée au pouvoir. Le « nous contre eux », j'y ai déjà fait référence, il prend plusieurs formes chez Ford. D'une part, l'élite libérale du centre-ville contre les gens ordinaires de la banlieue. C'est important de noter que la famille Ford, elle est basée à Etobicoke, qui est en banlieue de Toronto. On parle donc de cette élite-là, élite peinturée rouge. On parle aussi des technocrates du centre-ville, les gens qui ont eu le gros bout du bâton à Queen's Park depuis trop longtemps, contre le gros bon sens de la population générale. On va aussi parler parfois chez Doug Ford des intérêts spéciaux. Et là, on se rend compte que Doug Ford va très rapidement, dès son premier énoncé économique, couper, sabrer dans des programmes qui touchent les populations plus vulnérables. Par exemple, les personnes qui ont un handicap, les enfants autistes, les programmes qui visaient à soutenir les réfugiés, les individus transgenres aussi qui se voient soudainement refuser l'accès à un certain nombre de services de santé. Et enfin, et ça, ça a marqué l'espace médiatique francophone au Canada, les franco-ontariens qui subissent un certain nombre de compressions, notamment l'abolition annoncée du commissariat aux services en français de l'Ontario. Donc, ces intérêts spéciaux-là, qui, selon M. Ford, ne devraient pas être représentés de façon différente que l'Ontarien moyen, anglophone, en bonne santé, etc. Finalement, le rapport de proximité entre M. Ford et la population. Donc, M. Ford, malgré son background en tant qu'individu très politisé, qui a sa carte de membre d'un des deux partis traditionnels en Ontario depuis très longtemps, fait un appel répété aux gens ordinaires et au fait que la population le connaît déjà, qu'il fait partie de la population, que c'est un bon gars normal, finalement. Il commence souvent ces types de discours avec un « my friends » et le « for the people » pour la population. C'était vraiment partout dans la littérature du Parti progressiste conservateur depuis l'arrivée de Doug Ford. Il y a aussi une volonté d'avoir l'air disponible pour la population. Et l'une des images de marque de la famille Ford, son frère faisait ça et Doug Ford le fait aussi. Il avait, par exemple, publié son numéro de téléphone personnel et il invitait la population à l'appeler s'ils avaient des problèmes. Et il avait fonctionné comme ça, comme conseiller municipal aussi à Toronto. Les gens pouvaient l'appeler, dire « Hey, j'ai un problème, est-ce qu'on peut tenter de régler ça? » Et souvent, il allait personnellement tenter de régler l'enjeu, faire appel à ses connexions politiques pour pouvoir régler certains problèmes. Ça, c'était vraiment le trademark de la famille Ford. Et finalement, ça vient aussi avec un appel à la communauté, ce qu'on va appeler la fameuse Ford Nation. Et ça, Doug Ford continue d'utiliser ça, mais c'était quelque chose qui avait été créé durant l'ère de son frère, cet appel-là à une communauté très, très tissée, serrée autour de la banlieue de Toronto qui serait interpellée par les valeurs de la famille Ford. Donc, pour ce qui est de l'Ontario, pour faire un retour très, très rapide, certainement qu'on voit un regroupement de plusieurs des éléments retrouvés habituellement dans les discours populistes chez Doug Ford. C'est un discours qui est basé sur des arguments économiques, le gros bon sens, arrêter le gaspillage, plutôt que sur des arguments de type ethnoculturel. Et évidemment, le Grand Toronto, si on dit que la Ford Nation, c'est la banlieue de Toronto, on se doute très bien que de faire des minorités visibles, par exemple les autres, plutôt que de les inviter dans la Ford Nation, ça aurait été une stratégie politique tout à fait perdante.
Donc, il y a une rhétorique du gros bon sens de la population normale qui n'est pas basée sur des caractéristiques ethno-culturelles, mais il y a présence d'une rhétorique qui va quand même marginaliser un certain groupe d'individus, notamment les individus plus vulnérables et la population francophone à certains égards. Et ça, ça va avoir des implications pour notre prochaine étude, donc, qui est celle du Nouveau-Brunswick, où la situation se place de façon un peu différente et où on va se rendre compte que le contexte local où s'ancre le populisme va vraiment avoir des impacts sur ce qui va ressortir du discours de la rhétorique populiste. Donc, première des choses, je me doute fortement qu'une très grande majorité d'entre vous n'a jamais entendu parler du People's Alliance of New Brunswick. C'est normal, c'est parce que c'est un parti qui n'a jamais réussi à gagner le pouvoir et qui demeure encore aujourd'hui un phénomène de frange. Mais c'est quand même un parti qui est intéressant au sens où il s'inscrit dans une histoire plus longue du populisme et notamment de l'anti-bilinguisme au Nouveau-Brunswick, avec un parti qui est monté sur la scène provinciale néo-brunswickoise à la fin des années 80, donc en plein milieu de l'époque des accords constitutionnels Lac-Mead-Charlottetown, où on parlait du statut du Québec comme société distincte, où on venait d'enchâsser dans la Constitution un certain nombre de droits à l'égard des deux langues officielles, etc. Et donc, il y avait beaucoup d'éléments qui touchaient le bilinguisme qui était dans l'air du temps à ce moment-là. Et à la mi-temps des années 80, au Nouveau-Brunswick, on a vu monter un parti qu'on appelait le Confederation of Regions, le parti CORE, qui était un parti pragmatique et qui avait seulement un élément de plateforme centrale, c'était à dire on voulait se débarrasser du bilinguisme officiel. Le Nouveau-Brunswick étant depuis 1969 une province officiellement bilingue, le CORE avait fait l'échou gras de cette espèce de sentiment de ressentiment de la population anglophone vis-à-vis des francophones à un moment où la question linguistique était extrêmement présente sur la scène politique provinciale et fédérale, mais aussi à un moment où, économiquement parlant, le Nouveau-Brunswick ne se portait pas très bien. Ce parti-là, en 1991, avait réussi à devenir l'opposition officielle à Fredericton, au Parlement provincial, contre les libéraux de Frank McKenna. Et donc, c'est un parti qui a réussi à se maintenir quand même sur la scène politique pendant un certain nombre d'années, mais à la mi-temps des années 90, est finalement tombé dans l'oubli et a été complètement oublié pendant un certain temps. Fast forward, on sera en 2010 où le People's Alliance est créé par Chris Austin, qui est son seul et unique chef, et c'est encore lui qui est le chef du parti aujourd'hui. Et Chris Austin, il y a un certain nombre d'éléments à savoir sur lui. Première chose, c'est un ancien pasteur qui s'est recyclé en politique, qui avait tenté d'obtenir la nomination du parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick dans sa circonscription en vue des élections de 2010, et il n'avait pas été capable. Il s'était fait battre par un adversaire pour la nomination des PC. Et à ce moment-là, il a décidé de former son propre parti. Le People's Alliance s'est présenté aux élections pour la première fois aux élections de 2010, n'a pas réussi à remporter de siège, n'a pas non plus remporté de siège en 2014. En 2018, réussit à percer dans trois circonscriptions et aux dernières élections en 2020, au Nouveau-Brunswick, a réussi à garder deux de ces trois sièges-là. Et donc, une des questions qu'on se posait, Kelly et moi, c'est est-ce que le People's Alliance est un peu la résurrection du CORE sous un autre nom? Et donc, il y avait un fort aspect anti-bilinguisme qui nous intéressait dans le discours de Chris Austin en particulier. Cela dit, il y a quand même un certain nombre des trois éléments qui nous intéressaient, autres que l'anti-bilinguisme, qui nous permet de faire des parallèles intéressants quand même avec Doug Ford. Donc, le sentiment de crise
au Nouveau-Brunswick, il est présent, il est omniprésent. La situation économique de la province est franchement pas évidente. Il y a personne qui s'en cache au Nouveau-Brunswick, malgré le fait que, bon, semblerait que depuis le début de la pandémie, avec les transferts fédéraux, on se porte mieux au Nouveau-Brunswick qu'on se portait auparavant. Le premier ministre Blaine Higgs qui a annoncé qu'il allait avoir un surplus de 500 millions au Nouveau-Brunswick, c'est quand même pas rien cette année. Donc, le sentiment de crise qui est mobilisé par le People's Alliance pour dire écoutez, la province est dans une situation économique difficile et c'est en partie à cause des partis traditionnels, les libéraux comme les progressistes conservateurs, mais c'est aussi parce qu'on dépense trop d'argent sur le bilinguisme. Le bilinguisme coûte trop cher pour ce que peut se permettre la population néo-brunswickoise. Donc ça fait partie du discours de Chris Austin. Ensuite, le deuxième élément, la mobilisation des camps du « nous » et du « eux ». Là, c'est vraiment intéressant dans la façon dont Chris Austin utilise ce type de rhétorique-là. Le « nous », en fait, M. Austin va mettre tant les francophones que les anglophones du Nouveau-Brunswick dans sa case du « nous ». Le « eux », ce sont les membres de l'élite politique traditionnelle, tant les rouges que les bleus, mais ces deux partis-là ayant, entre autres, dépensé trop pour ce que pouvait se permettre la province, ont pris des décisions qui n'avaient pas d'allure. Le fameux discours du gros bon sens, il est extrêmement présent aussi. Le common sense, M. Austin doit le dire au moins une fois par toutes les trois phrases. Et notamment, l'un des enjeux qui n'ont pas de bon sens, selon Chris Austin, c'est la façon dont à la fois les libéraux et les progressistes conservateurs ont défiguré ce que voulait dire le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick. En ont fait un régime qui était beaucoup trop contraignant comparément à ce qu'on avait compris de ce que voulait dire le bilinguisme en 1969. Et donc, on ne veut pas se débarrasser de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, mais on veut la ramener à ce que Chris Austin dit qu'elle devait signifier en 1969, donc un régime beaucoup moins imposant sur l'État provincial que ce qu'il est actuellement, selon ses dires. L'aspect de la proximité du leader avec le peuple, le People's Alliance vient aussi jouer dans cette plate-bande-là, notamment avec cette idée des votes libres, c'est-à-dire que la discipline de parti est très lousse, si vous me permettez l'expression, au People's Alliance. Donc, on permet aux deux députés actuellement de ne pas nécessairement être d'accord sur tous les votes. Et il y a une certaine liberté de représenter les constituants, les commettants dans la circonscription plutôt que de représenter une certaine ligne de parti. Donc, on veut que la population qui est représentée par ces deux députés-là se sente bien représentée par le People's Alliance. Et donc, cet enjeu-là, il est aussi présent chez Chris Austin. Ce qui est intéressant de noter avec le People's Alliance, c'est que le People's Alliance a surtout commencé à parler du bilinguisme et des problèmes avec le bilinguisme en 2014 et de façon très, très réelle en 2018. En 2010, cet enjeu-là, il n'était pas du tout dans la plateforme électorale qu'avait présentée Chris Austin. Et ça, c'est un enjeu qu'on doit continuer à creuser dans nos études. On comprend encore très peu le pourquoi de cette évolution-là dans le discours et malheureusement, jusqu'à maintenant, ça a été assez difficile de tenter d'avoir des entrevues, par exemple, avec les gens qui travaillent avec le People's Alliance pour comprendre les raisons derrière cette évolution-là. Donc, sur ce, je conclus. Merci beaucoup et au plaisir de poursuivre la discussion. Merci, Stéphanie. On va poursuivre la discussion avec une présentation de Julien Landry sur le Centre Manning, moi qui est une bébite qui me fascine absolument. Alors, on a bien hâte de t'entendre, Julien, là-dessus. À toi, Julien. J'arrive pas à partager mon écran. Ça dit « Host has disabled screen sharing ». Je peux continuer ça dans ce cas-là. Ouais, moi, que ce soit facile pour vous de. On va essayer de t'arranger ça en cours de route. Tu peux commencer. Pas de problème. OK. Je vais parler aujourd'hui de comment l'opposition conservatrice à la tarification du carbone s'est jouée à l'intérieur du Centre Manning entre 2016 et 2019. Et ça, à partir de recherches que j'ai faites lorsque j'étais stagiaire postdoctoral au campus Saint-Jean
sous la direction de Frédéric Boily. Donc, merci beaucoup à Frédéric de m'avoir reçu et de m'avoir invité pour participer dans cet ouvrage. C'est un plaisir et c'est un plaisir aussi de vous rencontrer tous au cours de la préparation du volume. J'avais comme objectif pour, en partie le projet sur lequel je travaille, et en partie ce papier-là en particulier, de regarder la négociation de l'identité conservatrice un peu sur les lieux. Et donc, de voir le cas de la tarification du carbone comme un enjeu identitaire où les conservateurs devaient se prendre position d'une manière qui était imbriquée dans la construction de live de leur identité. Et le Centre Manning a été pour moi une fenêtre sur cette négociation. En fait, le choix des conservateurs d'opposer la tarification du carbone n'était pas donné d'avance, mais l'idée de la tarification du carbone a fait son chemin dans les cercles conservateurs. Et dans le Centre Manning en particulier. En fait, Manning lui-même avait maintes fois défendu l'idée de comptabiliser et tarifier la pollution et la consommation comme solution conservatrice aux enjeux environnementaux. Le Centre Manning, comme TARAM, a aussi permis de relier les discours sur cette question à des forces sociales et institutionnelles plus larges, dont les acteurs du champ politique et économique, les forces politiques et économiques de l'Ouest canadien et divers acteurs avec des liens à d'autres champs, comme le monde universitaire, la fonction publique et les médias. Et donc, à ce niveau-là, dans le cadre du volume, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Centre Manning, qui a été créé à Calgary, il y a vraiment des liens forts dans son réseau avec des intérêts politiques et économiques de l'Alberta. Ça s'est aussi diversifié au cours de son histoire, mais ils sont restés des liens importants qui se sont poursuivis au fur et à mesure que le centre est devenu plus un organe fédéral. Ça s'est cristallisé comme de la même façon que le pétrole s'est cristallisé comme une dimension identitaire pour les partis conservateurs Alberta, mais aussi jusqu'à un certain point fédéral. Donc, c'est ça, le Front Manning a été fondé par Preston Manning en 2005 et aussi avec son épouse Sandra Manning. Pour donner un petit peu de contexte, le Parti conservateur du Canada venait juste d'être fondé en 2004 et on s'empressait de vouloir déloger les libéraux au pouvoir depuis, les libéraux fédéraux au pouvoir depuis 12 ans. C'est aussi pour Preston un investissement dans le monde des idées et dans la cultivation du mouvement conservateur. Il disait à l'époque, political parties don't do much development of intellectual capital, of ideas and policies, and they do very little training of people. Et donc, le Centre Manning, il se constitue un peu comme une idée de construire une infrastructure démocratique du mouvement conservateur qui pouvait inclure des infrastructures de financement, des fondations, des moyens de financer le mouvement, des think tanks et des universitaires, une infrastructure intellectuelle, des problèmes d'éducation et de formation professionnelle, une infrastructure d'échange et de réseautage comme les conférences nationales et régionales et tous les salons d'exposition liés à ces rencontres-là, une infrastructure de communication finançant des magazines, etc., et une infrastructure de mobilisation en aidant le mouvement à se mobiliser sur des enjeux précis. Mais depuis 2008, il a surtout centré en fait ses activités sur les conférences et les activités de réseautage et d'exposition. Ce qui a vraiment confirmé son rôle primordial comme véhicule pour l'entretien d'une communauté politique conservatrice.
Il va d'ailleurs conserver ses fonctions lorsqu'il change son nom. Il s'appelle plus le Centre Manning et devient le Canada Strong and Free Network en 2020. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai un texte qui va paraître dans Politique et Société bientôt qui fait l'argument que cette évolution marque sa rupture avec la figure du think tank. Puis c'est d'ailleurs une étiquette qui n'a jamais vraiment bien porté vu qu'il était tellement impliqué dans l'action. Preston Manning, à un moment donné, dans le début de l'organisation, parlait d'un do tank, qui est une étiquette qu'on utilise souvent pour parler de ce genre de pseudo-think tank plutôt tourné vers l'action politique. Mes recherches sur le Centre Manning ont commencé en 2018 et on m'a amené à faire une espèce de terrain ethnographique. Donc, j'ai fréquenté la rencontre albertaine, régionale albertaine en 2018, la rencontre nationale en 2019, la rencontre albertaine encore régionale cette fois-ci en 2019. Et j'ai aussi utilisé les vidéos fournies par le centre, mises sur leur page YouTube et sur CPAC de 2016 à 2018 pour les rencontres que je n'ai pas pu assister. J'ai consulté aussi des sources documentaires les textes publiés dans les journaux et aussi les anciennes versions du site web du Centre Manning en utilisant le Wayback Machine, qui est un site web d'archivage de l'Internet. J'ai exclu le climato-scepticisme de mon analyse, par contre, parce que, ben, sauf exception comme une intervention de Rex Murphy en 2018 où il disait que c'était 80% le changement climatique de la propagande, etc., ou encore des membres dans l'audience qui vont dire, vont protester le déplacement du climato-scepticisme aux marges, et que ce n'est pas discuté dans les conférences, etc. Ils vont d'ailleurs accuser les élites conservatrices de renier le climato-scepticisme. Donc, sauf ces exceptions-là, l'enjeu pour les intervenants est plutôt de développer un choix d'instruments à être identifié comme la solution conservatrice au changement climatique et non de nier leurs existences. Donc, on retrouve une continuum entre ceux qui soulignent l'importance des risques environnementaux, ceux qui disent, écoutez, la situation politique est telle que le climato-scepticisme, c'est pas productif, c'est pas gagnant, et ceux qui vont plutôt vouloir revoir à la baisse nos ambitions en matière d'intervention ou de cible dans ce dossier. Au cours de mon analyse des observations que j'ai recueillies, j'ai isolé 5 discours sur la question que j'ai recueillie entre 2016 et 2019 sur la tarification du carbone. D'abord, le premier discours que je vais appeler le discours du mécanisme du marché, c'est ceux qui défendent la tarification du carbone. Donc, ce qu'ils vont dire, dans le fond, c'est que la taxe a des effets incitatifs qui poussent les gens et les entreprises à réduire leurs empreintes de carbone, soit en innovant, soit en changeant leur... permettant de faire des choix qui font sens pour eux et pour le marché. Donc, ce serait pour eux une solution conservatrice selon certaines conditions. Donc, ça ressemble un peu au discours libéral, mais sous certaines conditions, ça pourrait être une politique conservatrice selon eux. Dans la mesure que les montants perçus par la taxe sont redonnés à la population, soit par en coupant les taxes, soit en redonnant, surtout en coupant les taxes, c'était un perçu comme un choix conservateur. Mais aussi qu'elle remplacerait les régulations et les subsides, donc le command and control, qui est vu comme l'État qui dit quoi faire et qui fait des choix qui ne sont pas optimaux pour le marché. De manière générale, les promoteurs de ce discours sur le marché, du mécanisme du marché au Centre Manning sont relativement autonomes par rapport au champ politique. Ils ne sont pas forcément intégrés dans le champ politique, c'est des universitaires, des journalistes.
Ils peuvent aussi être, dans la mesure qu'ils s'intègrent au Parti conservateur, des consultants politiques qui travaillent avec eux ou des hauts fonctionnaires, ce qui implique aussi des relations aux normes du champ bureaucratique. Donc, leur réputation dépend aussi qu'ils restent à l'affût des normes dans l'analyse des politiques publiques. Un autre discours qu'on retrouve, le deuxième, c'est ce que j'appelle le discours de la vigilance pour le professeur d'économie Ross McKittrick, qui chevauche le monde universitaire et scientifique. C'est un professeur à l'Université de Guelph. Pour lui, en fait, il faudrait plutôt faire attention à l'alarmisme environnemental. Donc, c'est quelqu'un qui a une réputation universitaire, mais il a aussi contribué beaucoup à des textes qui cherchent à revoir le discours dominant sur le changement climatique. Et il a contribué à des think tanks américains et canadiens qui parfois, dont certains qui ont, surtout aux États-Unis, ont contribué à des arguments climato-sceptiques. Ce discours de la vigilance, lui, pour lui, c'est de dire, dans le fond, il faut faire une analyse coût-bénéfice entre les bénéfices et les coûts de faire quelque chose sur le changement climatique et pas le faire, et les coûts et les dommages écologiques escomptés. Donc, c'est de dire, dans le fond, on ne va pas faire plus que ce que les changements climatiques vont nous coûter dans le futur. Et selon lui, dans le courant dominant, il y a des projections et des interprétations du coût des changements climatiques moins graves que d'autres. Donc, il se dit, en se casant sur ces coûts-là, puisqu'il ne faut pas que les coûts des interventions dépassent les coûts, selon lui, exagérés des changements climatiques, il y a peu de solutions envisageables, sauf peut-être l'innovation en matière de séquestration du dioxyde de carbone. D'autant plus que la tarification du carbone, pour lui, risque de s'ajouter aux régulations et aux subsides pour créer une espèce de Frankenstein gouvernemental né de la panique écologique. Ensuite, le discours, le troisième discours, celui que j'appelle de la diversification énergétique, met de l'avant la capacité d'adaptation du secteur privé à évoluer en fonction du contexte politique et environnemental. Il avance, et puis il est avancé par des représentants des compagnies spécifiques issues du secteur de l'énergie pétrolière et nucléaire qui viennent intervenir dans le forum du Centre Manning. Ce n'est pas un discours combatif, mais plutôt un discours de cadre de grande compagnie. Donc, on dit, par exemple, on fait partie de la solution, on remplace le charbon, on diversifie nos avoirs énergétiques, on a des installations de renouvelables dans notre portefeuille, on a des responsabilités sociales, etc. On est à l'affût des demandes communautaires, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment d'opposition à la tarification du carbone ici, et même à certains moments, une certaine harmonie. En 2016, dans le sillage de l'adaptation de la tarification du carbone par les opposants des conservateurs, autant en Alberta de Richard Notley, par exemple, et les libéraux au fédéral, la rencontre nationale du Centre Manning voit un panel qui recoupe les discours du mécanisme du marché et celui de la vigilance et de la diversification. Donc, il y a ces trois premiers discours qui sont présents, et c'est une discussion relativement cordiale. Pardon. Où, justement, on voit une certaine harmonie entre le discours du marché et la diversification. Excuse-moi, Julien, tu as dit pardon. Est-ce que c'est à nous que tu parlais? Oui, excuse, c'est juste que j'avais quelque chose dans la gorge. Ah, OK. Tu sais que maintenant, tu peux nous partager tes PowerPoints si tu veux. Ah, parfait. OK, ben, je vais faire ça parce que ça va aider à vous voir ma ligne de temps, puis ça va vous aider à comprendre un peu le propos. Un instant, je sors d'ici.
Donc, comme je disais, en 2016, il y a ce panel-là on voit quand même apparaître la division entre ce qui, le discours de la vigilance et le discours du marché. Mais c'est un discours relativement, on met de l'avant les points en commun. C'est une discussion relativement cordiale. Le quatrième discours que j'ai soulevé, c'est celui de la protection de l'énergie. Ce discours va dénoncer les effets économiques et concurrentiels de la tarification du carbone, puis est produit par des intervenants orientés vers l'action revendicatrice, politique ou sectorielle, aux marges des champs politiques et économiques. Donc, la différence entre même ceux qui sont plus proches du milieu des affaires ici, c'est qu'ils font partie d'organismes qui chevauchent le monde des acteurs économiques et le monde des acteurs politiques. Donc, c'est pas juste c'est pas des représentants, ils ne sont pas là comme représentants de compagnie, mais ils sont là comme acteurs politiques aussi et surtout. Ils s'entendent en gros pour dire qu'on doit tout faire pour protéger la part de production des hydrocarbures canadiens dans les marchés mondiaux. Et au lieu de taxer l'économie canadienne, on suggère de déréguler certaines industries canadiennes qui opèrent à l'international. De déréguler certaines industries canadiennes qui sont plus vertes, selon eux, que celles qui se retrouvent à l'international, et même de leur donner des incitatifs fiscaux pour qu'ils puissent occuper une part plus grande des marchés mondiaux et donc réduire les émissions totales de la planète. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est comme de dire, puisqu'on est plus vert ici, il y a des fuites de carbone qui se font si on devient moins compétitif. Donc, parce que c'est des gros pollueurs qui vont prendre nos parts de marché. C'est le concept de la fuite du carbone qui va venir important dans ce discours-là. On ajoute aussi que cela peut être couplé à des régulations ciblées, des incitatives technologiques et des efforts de conservation de puits de carbone, etc. Donc, en 2017, lors d'un débat organisé par le Centre Manning, le discours de la production de l'industrie est surtout réactif, alors que celui du mécanisme de marché présente un fil plus cohérent entre les principes et les solutions privilégiées. Il n'y a pas comme une défense contre la tarification du carbone super bien articulée, du moins à demeure réactif, elle n'a pas comme de solution immédiatement à offrir. Et on a l'impression que la question demeure ouverte. Mais à la même époque, pendant la course à la direction du Parti conservateur de 2016 et 2017, c'est seulement Michael Chong qui défend une tarification du carbone. En 2018, le dernier discours que j'ai soulevé va paraître, et c'est un discours qu'on peut dire fiscaliste. Il se rajoute à la discussion, comme on va le voir, dans une table ronde en 2008 au Centre Manning. Dans ce discours, c'est les préoccupations internes au champ politique qui retiennent l'attention. Donc, on ne fait pas confiance au pari que les gouvernements vont retourner les revenus de la population. Rappelez-vous que j'ai dit que ça, c'était une condition pour qu'on puisse interpréter la tarification du carbone comme une solution conservatrice pour les gens au Centre Manning. Et on veut dire aussi que tôt ou tard, les gouvernements vont revenir sur leurs promesses et réclamer les montants perçus par la taxe pour les acheminer vers d'autres programmes qui s'accommodent plutôt aux priorités du gouvernement au pouvoir. La personne qui soulevait ça, c'est Ed Fass, qui était porte-parole à l'époque de l'opposition conservatrice en matière d'environnement et de changement climatique. Donc, c'est vraiment un discours tiré du monde politique et même Ed Fass lui-même va le souligner. Donc, comme je disais, en 2018, il y a une table ronde organisée à la rencontre nationale du Centre Manning. Et à cette table ronde-là, c'est vraiment, c'est Michael Binion, un initié de l'industrie du pétrolière et du Centre Manning, et le principal chevalier, disons,
du discours de la protection de l'industrie qui va prendre, qui va vraiment coordonner cette table ronde-là et faire une espèce de consensus qui, en le regardant, semble un peu forcé entre les différents partis présents en disant vraiment une formulation beaucoup plus concrète du discours de la protection de l'industrie avec l'appui du discours fiscaliste. Donc, on a ici vraiment un discours qui reste parcellé parce que on présente une collection de solutions d'alternatives ou de solutions de rechange à la tarification du carbone qui ne sont pas vraiment forcément cohérents entre eux, mais on le voit, le lien avec leur discours de protéger l'industrie canadienne, et c'est vraiment mis de l'avant comme le discours le plus prenable, puis même qui va dire on a un consensus, etc. Les défenseurs du discours du marché qui sont présents sont en fait les initiés au Parti politique conservateur dont j'ai parlé, donc ceux qui vont agir comme conseillers et hauts fonctionnaires, et ils vont mettre beaucoup d'eau dans leur vin à ce moment-là, même si on sait, on peut vous dire à peu près en les regardant que probablement qu'ils sont encore plutôt pour la tarification du carbone. Même si c'est mon interprétation aussi. C'est aussi à la conférence annuelle du Centre Manning de 2018. Je m'excuse, oui. Julien. Oui. Il faudrait conclure bientôt. OK. J'arrive à mes dernières diapos. Pas de problème, merci. OK. Donc, c'est ici à ces diapos, à ces rencontres-là, plus particulièrement à la discussion entre Jason Kenney et Scott Moe, que le journaliste Paul Wells va dire qu'il y a une coalition de leaders conservateurs. Le journaliste Powell va retracer cette coalition-là, la fameuse The Resistance, à une rencontre au Centre Manning. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à une coordination beaucoup plus élevée. Ce que je remarque aussi, c'est qu'en 2019, à la rencontre annuelle, là, c'est vraiment la mobilisation citoyenne qui commence à prendre de l'avant. Le panel, il est marginalisé, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui se dit. Puis il y a une pause midi qui est organisée pour anticiper la participation à une manifestation, parce que c'est à Ottawa, sur la colline du Parlement contre la taxe carbone. Donc le dossier est clos, on est contre la tarification du carbone, on s'en va aux élections justement, c'est fini pour le saga de la tarification du carbone au Centre Manning. Donc, pour conclure rapidement, là, ce qui semble en fait être le cas, si on regarde, donc il y a des échos dans les plateformes d'Andrew Scheer et dans les recommandations du Fair Deal Panel de Jason Kenney, des discours que j'ai soulevés, mais en fait, c'est comme une interpénétration des thèmes. Et donc, c'est difficile vraiment de voir une influence évidente du Centre Manning sur ce discours. Puis ce qui ressort, en fait, c'est qu'il y a des influences probablement dans les deux sens. Et probablement même, je dirais que le Centre Manning n'est pas un instrument nécessaire pour les gens qui sont présents pour parler aux élites conservatrices, aux partis. Donc, on peut dire qu'à quelque part, le rôle de Centre Manning là-dedans, c'est comme un travail identitaire sur lui-même. Il finit par se présenter, le mouvement conservateur à travers Centre Manning finit par se présenter à lui-même, à décider qui il est et à dire à son public qui il est, plutôt qu'une espèce de rapport d'influence avec les dissidents. Donc, sur ça, mais merci. Ça, c'était moi d'ailleurs, je n'ai pas pu le montrer au début, mais c'était moi qui se qu'on retrouvait dans la foule. Tu voulais nous montrer que tu étais là. Merci. Merci, Julien. On s'excuse pour le PowerPoint, mais on t'avait envoyé un petit message au départ, mais je pense que tu ne l'as pas lu dans le texte sur le côté, dans la catégorie discussion. Mais ce n'est pas grave parce qu'on aura l'occasion d'en rediscuter on peut enlever peut-être l'écran. Julien, ouais. Si tu peux enlever l'écran pour qu'on puisse se revoir. J'ai pas accès à la... OK, voici. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut enlever l'écran de Julien? C'est bon,
Merci. Ben voilà. Bon, qu'on puisse revoir tout le monde quand même. Moi, j'ai, comme bien des profs, j'ai enseigné beaucoup à des écrans noirs pendant quelques sessions pendant la pandémie. Alors, je suis très angoissé quand je ne vois pas tout le monde à l'écran quand je fais du direct comme ça. Donc maintenant, ben, on va passer à une période, on va passer une période de questions du public. Donc, on vous invite sur le Facebook Live à nous poser des questions. Si vous n'en posez pas tout de suite parce que vous êtes trop gêné, je vais commencer moi-même à en poser pour partir le bal. Et donc, on vous invite à poser des questions. On va me les relayer et je pourrai ensuite les poser aux invités. Ma première question, moi, que je poserais pour partir le bal un peu, c'est que je pense que c'est Frédéric, mais peut-être que Stéphanie l'a abordé un peu. On a parlé du clivage urbain-rural. Hier encore, j'entendais un discours du maire Labeaume de Québec. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que les politiciens, quand ils sont sur le point de quitter, ils font probablement souvent les discours les plus authentiques, les plus véridiques et les plus sympathiques de leur carrière. Je ne sais pas pour vous comment c'est, mais moi, j'avais trouvé, par exemple, dans ces 6 derniers mois, Jean Chrétien, je l'adorais. Je trouvais qu'il était d'une vérité et d'une très grande lucidité. Et hier, bon, vous ne l'avez peut-être pas vu, on a eu un discours du maire Labeaume à la télé. Et le maire Labeaume parlait justement du clivage urbain-rural, du clivage grande ville et région. Et parlait du clivage entre Montréal et le reste du Québec. Bon, évidemment, par rapport à la CAQ et tout ça. Donc, tu as mentionné ça, Frédéric. Je me demandais, j'aimerais ça que tu peut-être t'approfondisses, puis je demanderais aussi à Stéphanie. Parce que bon, par exemple, le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est pas mal rurale quand même, hein? Pas mal rurale, il n'y a pas une grosse densité de population, mais est-ce qu'il y a un clivage Moncton-Fredericton, nord-sud, hein? Il y a tout ça, tu sais. Parce que bon, quand on parle en termes d'antibilinguisme, il y a un événement qui vient juste d'arriver là, au Nouveau-Brunswick, tu es probablement au courant. Il y a un médecin francophone qui a envoyé une ordonnance à un hôpital anglophone, l'hôpital anglophone de Moncton, et parce que c'était rédigé en partie en français, on a refusé l'ordonnance, on l'a retournée, puis on lui a dit « Écrivez en anglais, ici c'est un hôpital anglophone ». Ah, vous n'étiez pas au courant de ça? Ben, en tout cas, je vous l'apprends. Mais bon, c'est un jalon de plus dans ce qu'on appelle les résistances au bilinguisme, un petit peu au Nouveau-Brunswick. Mais est-ce qu'il n'y a pas, en fait, je voulais qu'on revienne un peu sur le clivage urbain-rural. Alors, qui veut commencer? Frédéric? Oui, je peux commencer, d'autant plus que ce clivage urbain-rural, urbain-régional, qu'on pourrait peut-être aussi décomposer, c'est-à-dire vraiment des centres urbains avec les grandes couronnes, les banlieues et les régions vraiment à proprement parler. Mais on en voit des effets politiques partout. Le récent référendum dont vous avez peut-être entendu parler, qui vient d'avoir lieu en Alberta, les résultats le montrent encore, ce clivage urbain-rural. Pas complètement parce que Calgary a voté en faveur de la question référendaire, mais pas Edmonton. Ça vote davantage, le vote a été plus fort du côté des régions, notamment dans le sud. Le vote lors de la dernière élection fédérale, dans l'Ouest canadien, montre encore que le clivage urbain-rural continue d'être important, même si les conservateurs sur la scène fédérale parviennent à avoir davantage de succès dans les villes, mais on voit que les percées libérales, les percées néo-démocrates se font au cœur des villes. L'ensemble de l'élection municipale qui a eu lieu la semaine dernière aussi en Alberta montre encore de nouveau ce clivage entre des villes qui choisissent, comme Calgary et Edmonton, des maires davantage de centre. Et même dans le cas peut-être d'Edmonton, de centre-gauche, avec Harmajit Tsui, un ancien libéral. Donc, on voit des expressions politiques de ce clivage urbain-rural. Et si c'était seulement
le vote en soi, ben, on pourrait dire que on peut plus facilement vivre avec ça. Le problème avec ça, se cache derrière ça, c'est que c'est aussi des thématiques. La thématique de la taxe carbone, la thématique du transport en milieu urbain, l'électrification des transports également, fait en sorte que dans les régions rurales, notamment de l'Ouest, et là je pense que je ferai une distinction entre les régions rurales de l'Ouest versus celles du Québec ou des Maritimes, en raison d'un étalement régional beaucoup plus grand dans les provinces de l'Ouest. C'est-à-dire, il y a une occupation du territoire qui s'est faite de manière différente par rapport au Québec, où il y a quand même une concentration régionale beaucoup plus dans la vallée du Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, la Gaspésie, la Côte-Nord, des provinces géographiquement moins grandes dans le cas du Nouveau-Brunswick, que ce soit ou encore la Nouvelle-Écosse, alors que du côté de l'Ouest, c'est ça, c'est souvent pas pris en considération, c'est qu'on a un étalement urbain qui va du nord, un étalement régional, pardon, qui va du nord au sud, et ce qui fait en sorte qu'on a des gros pôles urbains, un corridor urbain, en fait, en Alberta, entre Edmonton, en passant par Red Deer et Calgary, deux tiers de la population se retrouve sur ce territoire, elle reste et disséminée un peu partout sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi si vous allez dans certaines régions rurales, sud de l'Alberta, sud de la Saskatchewan, vous rencontrez presque autant d'antilopes que de gens sur des routes. C'est presque pas une blague. Une fois sur une autoroute, j'ai compté plus d'antilopes que j'ai rencontré ou presque de gens sur l'autoroute. Et ça, ça fait en sorte que, on l'a vu aussi lors de la pandémie, les régions rurales où le taux de vaccination n'a pas suivi celui des centres urbains et ça a créé, notamment lors de la quatrième vague, des problèmes importants au premier ministre Jason Kenney. Et je vais terminer avec ça. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement une conscience au niveau fédéral de cet aspect-là. C'est un peu malheureux, mais c'est aussi la dynamique politique qui favorise les libéraux qui sont maintenant très, très efficaces à faire sortir leur vote en leur faveur dans les centres urbains, ce qui fait qu'ils ont tendance parfois à négliger cet aspect-là. Et c'est la question du transport, c'est la question d'Internet dans les régions rurales qui se pose, ce qui fait que ça fait monter une anxiété, pour reprendre un terme de Stéphanie, qui est déjà élevée, mais ça a fait monter de quelques degrés, et là, ça peut être récupéré politiquement, instrumentalisé politiquement par d'autres forces politiques, et ça crée des situations où il y a une certaine polarisation politique. Stéphanie? Oui, la polarisation des régions urbaines et rurales, on l'a vu, je pense, de la façon la plus claire de notre histoire aux dernières élections fédérales, d'ailleurs. C'est quand même assez remarquable, lorsqu'on regarde la carte politique au lendemain des élections de septembre, de voir à quel point les régions rurales sont bleues et les régions urbaines sont surtout rouges. Là où la question devient intéressante, c'est l'entre-deux, hein, c'est la fameuse question de la couronne. Comme on le voit, par exemple, la couronne, par exemple, autour de Québec, elle est très conservatrice. Toronto est un peu un cas de figure étrange parce que, au fédéral, Toronto est peinturé rouge de bord en bord. Mais historiquement, la ville de Toronto, au niveau municipal, est assez conservatrice, avec évidemment le cas de figure qui est Rob Ford, mais John Tory, qui est un ancien progressiste conservateur, moins conservateur évidemment que Rob Ford, mais néanmoins à la droite de l'échiquier politique. Donc on a des tendances ici qui divergent, et c'est surtout à cause de la couronne du Toronto, ce qu'on appelle le 905, qui vient changer la donne par rapport au noyau dur du centre-ville qui est extrêmement progressiste à Toronto. Et ça, c'est important de le remarquer parce que on est sur une grande ligne historique où le Canada va continuer de s'urbaniser. Et ça pose des questions très sérieuses pour le conservatisme au Canada. Si on continue de gérer le Canada sur une base à peu près égale, puis on sait qu'il y a quand même certaines divergences de la représentation par population, ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de représentants politiques
pour les régions rurales et de plus en plus pour les régions urbaines. Et ça pose une question très, très réelle pour les têtes pensantes, les Manning Center de ce monde, à savoir comment est-ce qu'on réussit à interpeller à nouveau les citadins canadiens par l'entremise là, de l'échiquier, de la droite de l'échiquier. OK, on a une question du public. Ceux qui veulent répondre, je pense que ça s'adresse peut-être un peu à Frédéric et Stéphanie, mais Julien, si tu as quelque chose à dire, tu pourras rajouter aussi. C'est Larry Gagné qui nous demande, le NPD mène en Alberta et le dernier sondage en Ontario donne le NPD 2 points derrière le Parti conservateur. Assiste-t-on à un backlash durable ou à un phénomène plus circonstanciel? Bref, on vous demande de faire un peu de futurologie. Ce qu'on a y faire en principe d'habitude. Je vais répondre pour l'Alberta. Probablement que depuis 2015, donc l'élection de 2015, avec la victoire des néo-démocrates et la victoire des conservateurs en 2019, qu'on est peut-être là maintenant dans un système politique qui est en transformation, un système partisan qui est en transformation, c'est-à-dire qu'auparavant, l'Alberta, c'était des grandes périodes de domination d'un parti politique, les libéraux jusqu'en 1921, de 1921 jusqu'au milieu des années 30, c'était les fermiers unis, après ça, c'est le Crédit social jusqu'en 1971, et de 1971, jusqu'à 2015, les conservateurs, donc la plus vieille dynastie conservatrice au Canada, qui tombait à ce moment-là. Et là, on a l'impression que maintenant, on est dans un système partisan où il va y avoir de l'alternance politique. Et donc, ce qu'on retrouve présentement en Alberta, avec les sondages qui favorisent les néo-démocrates, depuis un bon moment, je vous dirais, c'est l'impopularité de Jason Kenney a même commencé avant la pandémie. Évidemment, quand la pandémie est arrivée, la façon dont il l'a gérée, surtout la dernière vague, la quatrième vague, la façon, disons, littéralement catastrophique dont il a géré ça, tant sur le plan de l'image que sur le plan sanitaire, fait en sorte que sa popularité est encore très basse. Et donc, que les sondages montrant qu'on regarde du côté néo-démocrate doivent être pris très au sérieux, et non seulement les sondages, les chiffres du financement des partis politiques. Maintenant, les néo-démocrates dominent les conservateurs sur ce plan-là, et lorsque les prochains chiffres, justement, du financement politique vont sortir, il se pourrait très bien que là, maintenant, ce soit le dernier clou dans le cercueil de Jason Kenney. Ça reste à voir, mais c'est une possibilité. Donc, on ne peut pas prédire encore que les néo-démocrates vont nécessairement revenir au pouvoir, mais maintenant, ils sont une force politique avec laquelle il faut compter. Ils sont très forts à Edmonton. Ça commence à déborder du côté de Calgary. Ils ont un problème avec les régions rurales, cependant. En 2015, ils avaient réussi à faire des gains dans les régions rurales. Est-ce qu'ils vont être en mesure de le refaire? Moi, le scénario que je crains, c'est si jamais les néo-démocrates reviennent au pouvoir, ça ne me dérange pas, évidemment, c'est le fait qu'ils reviendraient sans, justement, quelques députés dans les régions, que ce soit dans le nord ou dans le sud, pour assurer une meilleure représentation. Et l'inverse est aussi vrai pour les conservateurs unis. Pas de député à Edmonton, qui est quand même la capitale, ça fait un peu étrange. Donc, on verra ce qui va arriver, mais les néo-démocrates ont assurément une très bonne chance, je dirais, de revenir au gouvernement. On ne peut pas l'écarter. Donc, on note en Alberta un changement de paradigme avec un système d'alternance politique qui s'installe. C'est quand même pas rien, ça, Frédéric. Ouais. Merci pour le commentaire. Stéphanie? Oui, bon, où commencer avec les élections qu'on aura probablement en juin 2022 et ce qu'on voit dans les sondages actuellement? Bon, depuis Bob Rae, les néo-démocrates n'ont jamais réussi à obtenir le pouvoir en Ontario. Ça a été la seule et unique fois où les néo-démocrates ont été au pouvoir et on va le dire, M. Rae n'a pas été très chanceux dans son timing. Il est arrivé à un moment où l'économie ontarienne se portait très mal et où des choix difficiles ont dû être faits.
avec le résultat que les Ontariens, encore aujourd'hui, parlent avec beaucoup d'amertume des Ray Days. Hein? Ça demeure un enjeu encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une des armes qui est utilisée, notamment par les conservateurs, pour tenter de décrédibiliser la formation néo-démocrate. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est un parti conservateur qui, si des élections étaient tenues aujourd'hui, garderait le pouvoir, mais avec un gouvernement minoritaire. Après, il y a un jeu qui se passe entre néo-démocrates et libéraux. Les néo-démocrates ont la même chef depuis 12 ans, Andrea Horvath, qui reste pour le moment la chef néo-démocrate. Ce sera peut-être ses dernières élections, à moins qu'ils réussissent à obtenir le pouvoir. Puis pour le moment, c'est pas comme ça que ça semble se profiler. Les libéraux, qui sont habituellement le parti de l'alternance en Ontario, sont dans les bas-fonds depuis la dernière élection et le choix du nouveau chef, Stephen Del Duca, ne semble pas lever auprès de la population. C'est un chef qui est très discret, qui n'a pas réussi à se faire entendre de la part de la population dans le courant de la COVID. Et ça, bon, on a vu d'autres chefs. Hein, on peut penser à Erin O'Toole, par exemple, qui a eu de la difficulté à avoir de l'oxygène médiatique durant la COVID-19 parce que les partis au pouvoir prenaient tout l'espace durant la gestion de la crise. Mais néanmoins, Del Duca n'a pas réussi vraiment à prendre sa place. Il n'a pas non plus de siège à l'Assemblée législative de l'Ontario, ce qui lui pose problème. Mais ça peut expliquer en partie la faiblesse relative des libéraux qui, autrement, bon, dans la grande tendance historique, auraient dû être en mesure de remonter un peu depuis leur déconfiture assez sérieuse des élections de 2018. Donc, ça reste à suivre comment est-ce que les libéraux vont se positionner d'ici aux prochaines élections. On commence à voir certains éléments de plateforme être dévoilés, notamment bon, une journée de travail de 4 jours qui semble être une promesse. Aussi, une réforme du système électoral. Est-ce que Stephen Del Duca va faire un Justin Trudeau de lui-même, faire des promesses qu'il ne va pas tenir s'il est porté au pouvoir? Ça reste à suivre. Mais on risque surtout de faire face à du vote stratégique, j'ai l'impression, aux prochaines élections provinciales. Là, il va y avoir une coalition des votes à la gauche pour tenter de défaire les conservateurs. C'est la question actuellement, c'est est-ce que, comme historiquement, cette coagulation-là va aller vers les libéraux ou est-ce que c'est plutôt les néo-démocrates cette année qui vont en bénéficier? Julien, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, j'allais okay. juste... À ce moment-là, j'ai une question pour toi plus directement, si tu ne veux pas commenter ça. La nomination de Stephen Guilbeault comme ministre de l'Environnement, qu'est-ce que les penseurs du Centre Manning penseraient de ça? Je dirais que la communauté a beaucoup évolué, surtout depuis qu'ils ont changé leur étiquette, là, le Manning n'est plus dans le mix. J'ai l'impression que avec la COVID, ils ont beaucoup bougé en ligne et ça a changé un peu les gens qui étaient là. Moi, je sens remarquer peut-être que le Stan Manning se regroupe plus autour du mouvement, c'est-à-dire moins sur les représentants des partis politiques et plus sur le mouvement. De là à dire qu'ils vont prendre un virage populiste, je ne suis pas sûr. Il y avait des discours sur la question de savoir après les élections, est-ce qu'on va cultiver un Trumpisme sans Trump au Canada pour prendre le pouvoir? Donc, le discours albertain est très fort dans les rencontres albertaines. Donc, au niveau de la... Puis, c'est pas comme si quelqu'un parlait au nom du Centre Manning, mais si je dirais que pour le choix de Stephen Guilbeault, à la rencontre, il n'y a personne qui vont dire « youpi » au Centre Manning, mais il y a vraiment une différence entre si tu vas à la rencontre nationale et la rencontre albertaine, des gens qui sont présents,
les genres de discours qui sont tenus, puis les genres de, autant dans l'estrade que dans les personnes. La rencontre nationale serait plus modérée que la rencontre albertaine, c'est ça que je faut que je comprenne? Oui, je dirais modéré, et ben, surtout que la rencontre nationale albertaine prend tout à fait le discours politique albertain, entre, okay. Et la présence du Parti conservateur uni est quand même assez grande. Je veux dire, le Fair Deal Panel avait été annoncé par Jason Kenney en 2018 à une rencontre du Centre Manning, alors qu'on discutait sur l'estrade d'utiliser la menace de la séparation comme arme politique, sans forcément endosser l'idée. Et donc, il y a une certaine... Je dirais que oui, en Alberta, ça serait vu, ce serait probablement vu comme quelque chose qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué. J'ai l'impression qu'à la rencontre nationale, ce serait peut-être mentionné... Et ce serait vu de manière négative, mais ça ne deviendrait pas autant l'enjeu central que ça pourrait le devenir en Alberta, où le pétrole, la question de la trahison sur les pipelines, etc., prend toute l'attention. C'est vraiment le discours conservateur albertain qui a la tendance à être un petit peu moins modéré que le discours fédéral, de toute façon. Donc, il y a vraiment une imbrication aussi avec les discours politiques qui fait en sorte que c'est pour ça que c'est un peu difficile de savoir. De voir qui influence qui, moi je dirais que c'est plutôt les partis politiques qui influencent le Centre Manning, mais c'est aussi qu'ils sont tous les deux influencés par les mêmes forces politiques qui font en sorte que les conservateurs finalement prennent les choix en avant des élections. Bon, on a une question de François Dufour. À quel point, selon vous, bon, elle s'adresse à tout le monde, je pense, là, ceux qui veulent répondre, répondront. À quel point, selon vous, est-ce que cette droite provinciale a une influence sur la jeunesse et les nouveaux électeurs? Alors, on peut commencer par Stéphanie, tiens, pour faire changement. Bon, les droites provinciales, bon, le Nouveau-Brunswick, il faut savoir que c'est la province au pays où la population est la plus âgée. Donc, il faut aller chercher les jeunes au Nouveau-Brunswick. et donc, c'est déjà une question difficile pour cette raison-là. Par contre, bon, il y a une tendance, je dirais, au People's Alliance à attirer des gens d'un certain âge. Je vais dire ça comme ça. Il y a assez peu de jeunes, de ce que j'ai vu à tout le moins dans leur rassemblement, qui participent à ce mouvement-là. Ce qui n'est pas le cas du Parti progressiste conservateur de la province, où il y a une base qui est un peu plus jeune, un peu comme au Parti libéral. D'ailleurs, c'est quand même notoire. L'âge moyen des premiers ministres provinciaux au Nouveau-Brunswick est beaucoup plus bas que dans le reste du pays. Si on pense à Bernard Lord, Sean Graham, Frank McKenna, c'était des gens, Brian Gallant, des gens qui étaient dans la trentaine lorsqu'ils sont entrés au pouvoir comme premier ministre. Évidemment, bon, Blaine Higgs est dans une catégorie à part ici, là, mais il y a quand même des jeunes assez impliqués dans les deux partis traditionnels au Nouveau-Brunswick. En Ontario, le Parti progressiste conservateur, c'est pas nécessairement un parti qui est marqué par un clivage d'âge. Il y a des jeunes députés, hommes tant que femmes, à la table. Donc, je n'ai jamais vu de statistiques sur l'âge moyen des partisans. Peut-être effectivement là, que les néo-démocrates, notamment, seraient en mesure d'attirer une population plus jeune. Il y a aussi bon, le Parti vert en Ontario, qui n'est pas à complètement oublier. Le chef des Verts siège à l'Assemblée législative, qui est assez populaire dans sa circonscription aussi. Mais il demeure que il y a une base, il y a une aile jeunesse là, du Parti progressiste conservateur en Ontario. Frédéric? Oui, du côté du Parti conservateur uni, il n'y a pas nécessairement, comme vient de le mentionner Stéphanie, un clivage là, très marquant avec un parti qui serait complètement déserté par les jeunes. Mais de manière générale, il est vrai que les jeunes, là, il faut s'entendre, si on dit, mettons, 18-34 ans ou 18-25 ans, si on restreint même ça à 18-25 ans, vont aller davantage du côté des néo-démocrates.
C'est un électorat aussi, notamment du côté d'Edmonton, qui est beaucoup, qui gravite beaucoup plus près des universités. Les universités à Edmonton, notamment, sont davantage néo-démocrates également. On le voit dans les circonscriptions proches de l'université de l'Alberta également. Par conséquent, je pense qu'il y a un avantage pour les néo-démocrates et les libéraux également auprès de l'électorat qui est plus jeune. Du côté de la CAQ, je me souviens, j'avais consacré un chapitre justement à cette question-là des jeunes au sein de la coalition Avenir Québec, donc essayer de développer une aile jeunesse. Mais en y repensant, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle n'a pas pris nécessairement une place aussi importante qu'on l'aurait voulu à l'intérieur du parti, une place aussi importante comme c'était le cas, par exemple, avec l'aile jeunesse au sein du Parti québécois ou l'aile jeunesse au sein du Parti libéral là, dans les années 80 et 90, qui créait d'ailleurs beaucoup de problèmes à Robert Bois et compagnie. Et donc aussi avec la montée de Québec solidaire, probablement que l'électorat jeune est allé davantage de ce côté-là, ce qui fait que du côté aussi de la CAQ, on peut pas parler d'un clivage très net de ce côté-là non plus. Je ne me semble pas d'avoir vu des chiffres qui montreraient cet aspect-là. Donc, de manière générale, des partis qui sont peut-être un peu moins populaires auprès de l'électorat jeunesse. Julien, quand tu es allé au Centre Manning, pendant ton terrain, est-ce que tu as rencontré d'autres jeunes ou tu étais le seul jeune? Ah, il y avait des gens pas mal plus jeunes que moi. Okay. je dirais que en fait, il y a comme une espèce c'est surtout des étudiants qui font partie des mouvements conservateurs dans les universités qui vont recevoir des fois des entrées gratuites, des choses comme ça. Il y a des programmes en place comme ça, Manning, pour les attirer, pour les permettre d'assister. Donc, ils n'ont pas besoin de payer le montant quand même assez élevé pour rester à la conférence. Puis ils viennent en troupeau. Il y a des clics comme de jeunes qui viennent écouter aux conférences. Leur degré, je dirais, d'engagement politique varie. Il y en a qui sont impliqués dans les partis politiques. Il y en a d'autres que c'est clairement des leaders parmi les étudiants dans les clubs conservateurs des universités. Il y en a d'autres qui sont là un peu, parce qu'ils s'intéressent à la politique, puis ils ne sont pas forcément conservateurs ou non. Il y en a un, par exemple, qui était vraiment... Il voulait pas me parler parce qu'il avait peur que j'allais dire qui était. Puis il dit, peut-être qu'un jour, je travaillerai pour les libéraux, je ne sais pas, je ne voudrais pas qu'ils sachent que... Donc... Il est opportuniste. Il est prêt à retourner sa veste. Il n'y avait pas. Mais en même temps, il y a clairement des groupes qui sont impliqués aussi avec le mouvement, des organes qui reçoivent de l'argent du mouvement néolibéral international, comme la Atlas Foundation, etc. Il y a un autre organisme qui est présent au sein de Manning, qui est Generation Screwed, qui est un discours pour de jeunes conservateurs qui décrit, dans le fond, la gestion du fisc et des budgets aujourd'hui comme étant une trahison pour des générations futures. Un peu un discours miroir de la gauche sur le changement climatique. Et aussi, beaucoup de jeunes autour d'organisations comme la Fédération des contribuables. Ah, OK. La Canada Tax Foundation. Donc, des jeunes peut-être plus proches de mon âge qui travaillent là, etc. Bien, parfait. On va entreprendre avec peut-être une dernière question pour clore ce panel. C'est moi qui vais la poser parce qu'elle me démange depuis le début. C'est la question du populisme. On l'a abordé, mais moi, personnellement, en regardant soit Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, Jason Kenney, Doug Ford, François Legault, peut-être demander à nos panélistes, ceux qui veulent s'y risquer,
de faire ressortir les éléments du discours populiste, parce que vous les avez ressortis un petit peu, mais bon, moi, par exemple, quand je pense à Doug Ford, une de ses promesses, je ne dirais pas une promesse phare, mais une promesse que qui était clairement pour moi du populisme dans sa campagne, c'était la bière à une pièce. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors ça, pour moi, c'est difficile de ne pas classer cette promesse-là comme du populisme, mais moi, ça m'a marqué. D'ailleurs, est-ce que la bière était une pièce maintenant, Stéphanie, en Ontario? Même pas. Non, le programme de Buck a Beer n'a pas duré très longtemps, en fait, parce qu'on s'est rendu compte très, très rapidement que mathématiquement, c'était tout à fait difficile d'être en mesure de payer la céréale, de payer l'employé, de payer la canne d'aluminium pour en arriver à 1 $, parce que notamment parce que le prix de l'aluminium a augmenté de façon significative. Donc, même la bière No Name, comme littéralement No Name, là, la marque, oui, oui. La marque, pas de marque, a augmenté de prix parce que c'était impossible de produire la bière pour 1 $. Donc, c'est une promesse populiste qui a échoué, qui n'était pas réaliste finalement. Non, non, mais faites-moi ressortir dans ces gouvernements de droite-là, qu'est-ce qu'il y a de populiste? Parce qu'il y a des gens quand même, quand vous dites ça, que ça les fait sauter. Hein, ils disent non, c'est pas populiste. Voyons donc, la CAQ, c'est pas populiste. Doug Ford, c'est moins difficile, je trouve, mais bon, faites-moi ressortir ces éléments-là. Je peux y aller? Vas-y, Stéphanie. Bon, vu que tu m'as lancé sur le Buck a Beer, écoute, il y a tout le « my friends », puis « je vous comprends, je suis comme vous », ce fameux rapprochement que Doug Ford essaie de faire avec la population. De donner son numéro de téléphone personnel, de demander aux gens de l'appeler directement. Il s'est fait prendre à son propre... Il s'est fait prendre à son propre jeu. Là, éventuellement, il l'a enlevé son numéro de téléphone parce qu'il s'est rendu compte que ça marchait plus. Il y a un certain nombre de programmes auxquels on peut penser. Même dans le titre des projets de loi qui ont été déposés à Queen's Park, on voit du populisme, comme par exemple le projet de loi pour nettoyer le gâchis laissé dans l'hydro-ontarien, par exemple. J'exagère même pas. C'est « cleaning up the mess in hydro ». On peut pas être plus explicite que ça. Hein? Non. Donc, de nettoyer le dégât laissé par les prédécesseurs, de nettoyer, la prise de décision, le type de prise de décision qui est fait par l'élite technocratique du centre-ville. Ça, c'est le genre de discours là, qui est tout à fait dans les lignes populistes qu'on entendait beaucoup de la part de Doug Ford. Il faut quand même que je le dise, durant la pandémie, il s'est un peu calmé sur l'idéologie. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le choix et que la crise était réelle. Il a pris quand même un certain nombre de décisions. On l'a vu notamment d'expulser certains membres de son caucus qui n'obtempéraient pas vis-à-vis des mesures sanitaires. Donc, ça a quand même marqué les esprits. Ça serait intéressant de voir au fur et à mesure qu'on sort de la crise. Puis là, l'Ontario se porte quand même assez bien là, à l'égard du nombre de cas reportés à chaque jour. Si cette tendance-là de M. Ford va revenir, d'autant plus qu'on se rapproche de plus en plus de la prochaine élection. Bon, mais on a l'impression que François Legault et Doug Ford, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, ont fait une relative bonne gestion de la pandémie. Alors, et je renvoie la question à Frédéric, alors qu'à l'opposé, on a l'impression que M. Kenney, ben, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un désastre un peu, sa gestion de la pandémie. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, et je vais y aller d'une observation qui pourra paraître contre-intuitive. Si la gestion de Jason Kenney a été aussi désastreuse, c'est peut-être par justement un peu de manque de flair populiste. C'est-à-dire que Jason Kenney, c'est un idéologue de droite. Dans le chapitre que j'ai écrit avec Timothy Van Den Brink sur Jason Kenney, on a justement pris les discours de campagne de Jason Kenney et on les a analysés pour arriver justement à partir d'une définition du populisme qui insiste notamment aussi sur cette question-là qu'a soulevé Stéphanie tout à l'heure de la proximité. On est arrivé à la conclusion finalement que Jason Kenney, c'est un idéologue de droite, que toute sa justification pour son programme de retour à l'avantage albertain était fondée sur des prémices
de la droite néolibérale des années 80. Donc, il citait abondamment des économistes albertains comme Jack Mintz, qui est un peu l'équivalent, même s'ils sont diamétralement opposés sur le plan de la pensée économique, l'équivalent de Pierre Fortin au Québec, donc un économiste influent. Et c'est de dire qu'il faut abaisser les niveaux de taxation, parce que si on abaisse les niveaux de taxation, une fiscalité qui est basse, surtout pas de taxes provinciales, on va être capable d'attirer des investisseurs, on va être capable d'attirer des entreprises, et l'économie va redémarrer, au contraire de ce qu'ont voulu faire les néo-démocrates auparavant. Et donc, je reviens à la gestion de la pandémie. Ce qu'on a noté, c'est un Jason Kenney très éloigné de tout ça et qui semblait dire, écoutez, on maintient le même cap économique, le même cap sur nos engagements pris lors de la campagne électorale. On ne change pas. On y va encore avec des réductions budgétaires. On continue à maintenir cette fiction budgétaire alors que la pandémie vient de faire dérailler tous les plans du gouvernement qui venait tout juste de présenter son budget. On continue à vouloir resserrer et diminuer le salaire des médecins, ce qui a créé une guerre avec les médecins qui n'est pas terminée encore à ce moment-ci. Jason Kenney, lors de la quatrième vague, vous m'avez peut-être entendu parler, il avait une expression de dérision, où est Jason Kenney? Il a été une vingtaine de jours au mois de août. Il a pris des vacances. Il a pris des vacances. Hein? Il a pris des vacances. Oui, ses vacances. On ne sait même pas où il les a pris exactement. On ne sait même pas. Ils ont complètement disparu de la carte. À l'inverse, Doug Ford a probablement mieux maîtrisé son populisme lors de la gestion de la pandémie. Et donc, il l'a mis en retrait, mais en même temps, il l'a comme canalisé pour montrer l'image du, je vais parler comme lui, du gars qui est là pour porter les boîtes de gants lorsqu'on l'a vu, la fameuse. C'était efficace sur le plan de l'image. Différent de François Legault. François Legault, moi, ma thèse, je termine avec ça sur le populisme, c'est que le populisme était présent en 2012 et 2014 de manière beaucoup plus importante parce que là, le parti voulait se faire une place au soleil face au Parti québécois et au Parti libéral. Mais en 2018, la dynamique est différente. Et là, c'est pas simplement un parti qui part à l'assaut du système partisan, mais c'est un parti qui veut montrer qu'il est aussi un parti de gouvernement. Et pour montrer qu'on est un parti de gouvernement, à un moment donné, le populisme, ça devient inefficace. C'est ce qui permet, disons, d'avoir 15-20% des voix de l'électorat. Ça fait aussi en sorte que souvent, ça plafonne là. Et qu'on est incapable de dépasser si on reste habillé avec l'habit, justement, du populiste. Et donc, Legault, la CAQ, ont mis ça de côté. L'idée, là, que la question des petits amis, c'était encore là, mais ça, c'était justement une expression populiste. Les petits amis, on récompense les petits amis du régime, les libéraux le font, les péquistes l'ont fait dans le passé. Mais on s'est respectabilisé. Et François Legault, après, à mon avis, a continué sur cette même voie-là. Est-ce parce que, Frédéric, ils ne sont pas devenus en 2018 une vraie coalition dans le sens où ils ont été chercher des péquistes, des libéraux, un petit peu de tout là, finalement là-dedans. Là. Et c'est pour ça qu'ils ont rendu presque non conséquentiel le PQ et le PLQ au Québec parce qu'il y a à l'intérieur de la CAQ des péquistes et des libéraux en masse. Et la chef actuelle du Parti libéral du Québec, c'est une ancienne caquiste. Si je me trompe, Dominique Anglade, oui. Alors, à un moment donné, ça donne l'impression que, en tout cas pour l'électeur québécois, que la seule vraie opposition, ça serait Québec solidaire, finalement, parce que les autres, c'est un peu la même famille. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, là. Oui, on peut faire effectivement cet argument-là. On peut dire en ce sens-là, et de manière, non partisane, que la coalition Avenir Québec est véritablement comme une vraie union nationale, d'une certaine façon. Pas l'image de Duplessis qu'on a. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait ça, par exemple. Non, il aimerait ça. Ah, ben, quoi qu'il l'a déjà dit, qu'il s'est déjà réclamé de cette idée-là, mais que vraiment, il est parvenu à faire l'union des forces nationales. Et ça, il revient souvent sur cette question-là. Il faut rassembler les Québécois, il faut rassembler les forces. Et donc, il y a des péquistes, mais pas des libéraux, comme tu l'as mentionné. Plus de référendums. Ça, il l'a encore mentionné à Mme Galipeau, au téléjournal, etc.
Ça, c'est... Plus de référendum, mais la cohésion nationale. On pourrait partir des heures sur la cohésion nationale, un concept, on pourra faire un livre complet là-dessus, la cohésion nationale, un de ces jours. Moi, je trouve que c'est un truc intéressant à étudier. Écoutez, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup, les trois participants, Frédéric Boilly, Stéphanie Chouinard et Julien Landry, d'avoir participé à cette table ronde. J'invite toutes les gens qui nous écoutent, même ceux qui vont nous écouter en différé, à aller lire le livre qui a été publié dans la collection du SOFIR aux presses de l'Université Laval, qui s'appelle « Les droites provinciales en évolution de 2010 à 2020, 2015, pardon, à 2020. Pardon, ben le voilà, oui. On va le mettre à l'écran, Frédéric, tantôt, dans le différé plus tard. Donc, ben, merci à vous d'avoir accepté l'invitation et au plaisir de se revoir en présentiel dans un autre colloque, qui sait, peut-être en Alberta, à Kingston ou peut-être à Ottawa, où sont nos trois invités aujourd'hui. Alors, merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.